Né d'une volonté d'améliorer la condition professionnelle, le ministère de la Santé et l'Institut national de formation et d'action sanitaire et sociale ont procédé au lancement officiel d'un séminaire de formation dont les objectifs ont clairement été énoncés par le représentant du ministre de la Santé. C'est le ministre de la Santé, le professeur Mehougo, qui devait être là à ce séminaire. M'a chargé de transmettre effectivement aux participants à ce séminaire sur l'éthique et la déontologie les orientations du président de la République, le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire-Oligui-Nguema, qui demande qu'en cette période de transition, il y ait aussi une transition vers le changement de mentalité des comportements en milieu public. Que c'est cette démarche qu'a empruntée la direction générale de l'INFAS et qui voudrait effectivement qu'au sein de cet établissement d'élite de formation de recherche, il y ait de la matière. Il y ait des accompagnateurs pédagogiques qui puissent s'approprier les valeurs d'éthique et de déontologie en milieu professionnel. Il apparaît clairement que pour l'INFAS, la formation au continu reste au cœur de l'enseignement. Lorsqu'on parle de la restauration des institutions, l'école ou les instituts de formation sont des institutions qui doivent être restaurées. Évidemment, nous sommes en train de construire des bases ou de reconstruire des bases pour que, à l'avenir, finalement, le produit qui sorte de l'INFAS soit un produit aguerri sur le plan des valeurs éthiques et déontologiques, mais aussi en termes de gestion de personnel, nous avons un encadrement de personnel pédagogique et ils ont besoin d'être reformatés dans les valeurs pour qu'il y ait véritablement une transmission saine. En conclusion, la tenue de ce séminaire montre clairement la volonté des autorités en place de revenir sur les valeurs déontologiques idéales de l'enseignant et de l'élève en milieu de formation, conformément aux objectifs visés par le CTR.